Eh bien, bonsoir à tous. J'espère qu'en tout cas vous allez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, regardez, nous sommes chez moi, donc dans mon petit endroit où je joue avec mes trains. Enfin, voilà. Et du coup, si vous me voyez passer devant, c'est que j'ai des manips à faire. Du coup, bah profitez de la vidéo, hein. Profitez-en un maximum. Donc voilà, sur ce, bon visionnage.
Alors, je vais vous montrer un petit truc. Vous allez voir, c'est ça. Voilà. Alors. On va faire comme ça. Alors. Donc, regardez bien cette petite loco. Donc, je sais pas ce que vous voyez. Alors, voilà, regardez. Donc, en fait, donc là, on a les roulements là. Alors, semble-t-il, il y a un souci. Alors, je vais voir ça. L'adjudant en chef. Et regardez, donc c'est là. 72006. CC 72000. Vous voyez bien l'avant. Donc là, sur le côté. Et du coup, à l'arrière. Enfin, donc là, c'est l'extrémité numéro 2. Et là, l'extrémité numéro 1. Donc, bah voilà. Donc, je vais vous laisser avec ce petit. Alors attendez que je remette là. Je vais vous laisser avec ça et là c'est lequel qui tourne. Je vous laisse du coup avec la BB 67000 livrée fret et son wagon de nettoyage, et je reviens dans 20 moments. Où c'en est? Et là, je sais pas si vous, donc vous voyez. Alors attendez, bougez pas, je vais zoomer un peu. Donc là, on a du coup la gare centrale avec là la 67000 que je zoome avec donc le wagon nettoyeur de voie. Parce qu'en fait, le titre de la vidéo va être donc nettoyement des voies. Là, ce que vous voyez, là, juste. Alors, attendez, si vous. Mon doigt, là. Alors, si vous voyez ce que vous voyez là, la télécommande rouge, c'est pour. Donc, pour. Donc, c'est tout ce que c'est pour. Piloter les trains, pour les commander, en gros. Et du coup, là, donc, je disais dans la gare, donc, on a la RAM. Alors, c'est laquelle? Quelle RAM? C'est la RAM 4402 qui a réalisé donc le record de vitesse du monde de vitesse sur rail. Et normalement j'ai la boîte qui est normalement, je dis pas de bêtises, faut que je monte un peu plus. Bon, du coup
Elle est plus en hauteur. Et du coup, donc là, on a du coup la gare. On va plonger un peu. Voilà. Et du coup, on a donc une double boucle de retournement. Donc on a celle du haut que vous voyez et celle du dessous. Donc bah voilà. Bon. Oh, bougez pas, je fais une petite phobie. Voilà. Donc là, on a ça. Voilà. On va peut-être passer. Ouais. Donc, on a 15 minutes. Voilà.
Ne vous inquiétez pas. Comme ça. Alors. Donc, voilà, nous y sommes. Alors. Donc, voilà. Je pousse ça. Voilà. Donc là, nous avons en vert et blanc, nous avons donc la 67000 et son wagon. Et de l'autre côté, et juste derrière, suit alors la 67000, la 72000, la CC72006, avec donc un wagon de nettoyeur de voie comme la 67000. Et on va zoomer, regardez bien. Et regardez, on la voit passer là-bas. Et regardez, là on a le donc toute la gare là. Et regardez bien. Hop, voilà. La 67000 qui passe, et normalement si on se met là, donc en haut vous avez, oh, attendez, si vous voyez là, là en haut on a donc les wagons que normalement transportaient la 67000 que voici, dépassée par la, enfin la 67000, non, la 72000, oh, attendez, voilà le gros plan. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Hop. Et attendez, je vais pas. Oh, c'est. Et si vous voulez voir encore quelque chose de mieux, et ben, bougez pas. Tac. Et voilà, nous sommes donc du coup, bah, comme vous pouvez le constater dans le noir. Alors, mon côté est là. Et voilà. Donc là, 67000 qui passe en gare. Alors, attendez, bougez pas. Qui passe là en gare. Et hop, qui continue. Et là, la 72000 qui passe.
les lignes. La BB 67000 qui passe avec son wagon, elle passe en plein milieu de la gare et elle continue dans cette direction. Regardez qu'est-ce qui vient. La BB 60, la CC 72000 hop, qui passe là sous mes yeux. Et en plus, je crois. Et demain, pour ceux qui sont pas au courant, je crois d'ailleurs personne, et ben je vais profiter pour vous le dire, je vais aller en gare de Lyon-Part-Dieu demain, pendant 2 heures de temps, pendant 2 heures de temps. Donc ben voilà, j'aurai la chance de vous faire donc quelques spots avec donc mon trépied et mon appareil. Donc bah j'espère vraiment tourner cette vidéo. Attendez, bougez pas. Donc voilà, j'espère tourner cette vidéo demain. Enfin tourner plusieurs vidéos pour ensuite en créer une en composer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de faire plusieurs courtes vidéos et ensuite de les assembler pour en faire une complète. Donc voilà, aussi peut-être quelques vidéos de mon trajet également. Enfin, voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle aventure dans une nouvelle gare qui sera Lyon-Part-Dieu.